Let's go. Yeah, let's go. On se finit la soirée sur Pokébug, tranquillement. On va commencer par une petite échange mystère. Que de mystère. Bref, allez. Tac, faut pas faire attention. Je pète littéralement la forme. Donc ça veut dire que dans 10 minutes, je dors. Mais voilà. Tout ça pour dire qu'on va faire un petit échange mystère, évidemment. Évidemment. Évidemment, évidemment. En début de live, pourquoi pas. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant, ça peut être marrant. Il faut déterminer aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais il est déjà fait l'échange. Ok, voyons voir ce qu'on va récupérer. L'objectif, c'est qu'un jour, avec ces échanges mystères, on récupère évidemment le dernier starter qui me manque, le coin-coin qui fait coin-coin. Mais voilà. Le coin-coin qui évolue n'importe comment, hein, donc honnêtement, on ne le fera pas évoluer. Impossible de faire évoluer le coin-coin. Non. Hop, c'était juste là. Bon, c'était pas très intéressant, mais bon, c'est normal, c'est le jeu, c'est le jeu. Ah oui, voyons voir ce qu'il faut faire. Enfin, ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire. Ça, c'est la ville d'où on vient. On est revenu là pour déjouer les plans des villes brigands. Bon, en théorie, on fait 7 entre là et on visite ici. On fait 7 entre là et on fait l'entre là qui est fait. Et après, on visite un peu par là, peut-être. Voir à quoi ça ressemble de plus haut. Ah oui, il y a la possibilité aussi de carrément aller à cet entre-là, faire cet entre-là, se faire cet entre-là, revenir pour après aller là et aller là, et donc visiter un peu ce qui se passe par là, au final. Est-ce qu'on peut monter? Non, on peut pas monter. On peut pas monter par là. Comment on fait pour y aller ici, en fait? Ah, bonne question. Parce que là, il n'y a pas d'entrée. Par la cascade. Ah, peut-être qu'on peut remonter les cascades à un moment donné. Ok. Ouais, on peut visiter ici. Non, on peut faire les trois entre là pour visiter ici. Allez, on se fait ça. Premier truc, on va aller à ce Pokéstop là. Sachant que là, on est sur un stream un peu bonus. Donc, vraiment, le but, ça va être. Là, on n'est pas dans le mode où on a des objectifs précis. On est plus dans le mode. Voilà, si on digresse, on digresse, on digresse. L'objectif n'est pas forcément d'avancer. L'objectif est de digresser, de trouver des excuses polémiques pour digresser. Voilà. C'est quoi, quoi? Oh, c'était quoi? Ouah, j'ai failli. Non, 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 je veux pas tomber vers. Ah oui, des m'arrive. Hop. Ouh. Non, Pokéball, je crois que. Non, c'était. Il y avait une CT qui avait l'air intéressante que j'aimerais bien apprendre à. Je vous enseigne un Pokémon. Faut que je regarde un truc dans les CT. Ah, il y a le mec à la pièce. J'entends le mec à la pièce. À bientôt, à bientôt. Tiens, déjà, il y a ça. Et je suis persuadé de l'avoir entendu. Faudrait le trouver. Ah, il est là. Bon, après, c'est pas le truc le plus utile du monde, mais voilà. Ah, mais je suis sûr que ces pièces, elles donnent plein de PL. Pièces. Ah non, que 10. Bon, pas grand-chose, en fait. Créer une CT. Non, je veux un truc plus. Voilà. C'est laquelle? Ah ouais, désert baffe. Le lanceur se pour atteindre les mouvements agiles du lanceur augmente sa vitesse. T'augmentes ta vitesse avec ça. Ah, mais j'ai pas de feuille de chlorobulbe. Ça, c'est embêtant. Ok. Ok, Balgren en soleil. Hein. Et en même temps, je me dis. Une herbe. Oh, je m'en fous. En même temps, je me dis quel.
qu'est-ce que je remplace en fait? Parce que je veux garder morsure, je veux garder... Ouais, non, ça sert à rien. Je veux garder le Big Bang Attack, parce que c'est Big Bang Attack. Oh, on esquive. Esquive du truc. Attends, c'est quoi par là? Ah, je dois voir celle qui est là. Je dois voir celle qui est là. Ok, donc non, ça m'intéresse pas. Résiste. Toujours compliqué de sauter. Ouh, une petite Pokéball. Allez, on va avoir ça. Ok, l'évolution, d'accord. On va faire l'antre. L'antre de ton yinche. Hop. Oh bah rien de bien compliqué, un niveau 1. Pas de problème, on y va. On y va, on y va. Go, go, go. Ah, c'est vol. Et c'est... Ah, c'est un criquet vol. Alors, pas très efficace, pas très efficace, mais il y a toujours morsure qui sera efficace. Allez, bim. En même temps, c'était évident. Pas de surprise. Vraiment pas. On a attrapé avec une Pokéball. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien, bien, bien. Allez! Moi je pense que le taux de capture en entre est de 100%. Ah! Ah! Non, je veux pas. Ouais, non, c'est bon, j'ai déjà lu ça. J'ai déjà lu. Bizarre. Hop, tac. Ok. Alors la prochaine. Ah bah c'est celle qui est juste là en fait. Ah mais si, peut-être que c'était celle que je voyais. Eh oui, c'est celle que je voyais là. Ok. La différence entre le moment... Oh là là, le terrain qui bouge pour s'adapter... Enfin, pour charger et tout ça. C'est triste quand même. C'est triste tout ça, mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Hop, hop, tac, tac, tu fais quoi? T'as une petite esquive. C'est... Ah non, c'est un porcelé, ok. Ah, merde. Ah, ça montera pas. Quoi? Oh! Je les déteste parce qu'ils sont trop petits pour que je les vois. Ok, ah oui, il faut faire le tour. N'oubliez pas que la chose la plus stressante de ce Pokémon, ça reste et restera le fait qu'il a des roues mais ne roule pas. Oh, un koala ? Ah non, je l'ai le koala, c'est bon. Bon, alors ça, tu fais comme tu veux, mon gars.
C'est pas mon problème. Mais t'as pas la gueule d'un écolier. Oh, quoi que d'un étudiant. Si, 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 j'exagère. J'exagère. Allez, super efficace. Ça va être rapide comme combat. Voilà. Oh, oh, il a tourné bizarrement, le mec. Oh, étonné. Bah ça, c'est parce que t'es nul. Désolé de t'avoir réveillé. Ouh, il y a un truc qui tombe bas. Que poisson. Je crois que je l'avais déjà en plus, cette attaque. Un 3 étoiles. Ouah, mais bon, je le fais fastoche. Pas besoin d'attendre les gens. Je sais pas s'il y a plus haut que 3 étoiles. Est-ce qu'il y a des 4 étoiles? Je sais pas. Bonne question. La question se pose. Est-ce que la réponse est là? Bonne question. Eh bien. Et voilà. Ah, morsure efficace, c'est bon. Oh. Ah. J'ai peut-être fait une connerie. J'ai peut-être été arrogant. J'aurais peut-être dû demander de l'aide. Ah, surtout que mes alliés me servent à rien, visiblement. Ouais, lui aussi fait des attaques pas efficaces. Bon, bah, c'est pas grave. Yeah, ça devrait être fini. Allez, 3 étoiles, j'ai intérêt de faire gaffe, hein, vraiment. Ça peut vite tourner au vinaigre s'ils ont des attaques efficaces contre moi, en fait. Hop là. Ah, petite animation. Il erre en bord de mer en quête de nourriture. Il s'électrocute souvent en essayant de manger des épines de Watepic trouvées par terre. Le pauvre. Ok. Hop. Ouais, on va aller donc par là. Il y a directement la version évoluée. Ok. Oula. Ouh. Alors, petite explo, hein, on va. Là, on est vraiment dans le moment chill. Chill à max. Ah, du dresseur. Bah oui, quand même. Humilier ses adversaires, ça fait toujours plaisir de toute façon. Ouh, du Pokémon Crystal, on va aller voir ça aussi. Quel chantier. Oh, il y a une grotte là-bas. Bref, c'est pas la question, mais c'est peut-être la réponse. Hop, je sais pas, magie florale peut-être. Bon, de toute façon, vu la différence de niveau, quel que soit le truc... Voilà. Mmh.
Oh, te disais, te, fou. Te voilà quoi. Te voilà qu'on n'arrive pas à finir les. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ça? On passe carrément de l'autre côté là. Ok. Ah mais c'est la fin de ce que je voulais explorer après. Bon bah pas. Oh, c'est un taurus cristal. Ça m'avait donné un peu du fil à retordre. Allez, vas-y. Bim. Ce qui serait marrant, c'est qu'en plus il soit shiny, mais faut pas exagérer. Ah, c'est un électrique, c'est un taurus électrique. Intéressant. Ah mais tout est efficace, mais je vais le tuer. Ah non, cool. Ah par contre, il veut pas se décristalliser. Il faut le faire évoluer aussi. Évite l'attaque. Ah, il utilise repos. Ah, il peut se soigner. L'enflure. Ah, c'est embêtant ça. Ah! Ah, mais genre, récupère entièrement en fait. Ah, vas-y, hein. Ouais, ouais, dors. Hein. Dors, dors, dors. Il dort d'île, hein. Bah ouais, c'est triste de dormir hein, pendant un combat. Allez, vas-y, là, tu te décristallises. Même pas. Oh là là. Tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, j'ai gagné. Allez, t'es plus qu'un taurus normal, bim. Hop, voilà. Allez, allez. Ah là 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 là. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Je pourrais peut-être faire. Oula. Peut-être faire une hyperbole. J'en ai quelques-unes maintenant. Yeah! De toute façon, j'aurais fait cage éclair sinon. Hé hé! Ouais, ça j'en avais déjà un peu de toute façon. Bref, c'est pas tout ça, mais moi à la base, je voulais aller là-bas surtout. Là-bas. Ah, un solo. Oh, il y a un dresseur. Ah, mais on sort de cette zone-là par ici, mais on n'y rentre pas, visiblement. Ok. Ah, mais c'est un bug, c'est normal. Le jeu est plein de bugs, monsieur. Putain, t'es pas étudiant, toi. Oh là là, faut arrêter avec ça. Faut arrêter d'accepter des pédophiles dans cette équipe. Hein. Dans cette école. Dans cette école. Clairement, ce monsieur n'est pas là pour étudier. Hein. Il est là pour repérer de jeunes garçons. Yeah. C'est ça son excuse pour avoir perdu. C'est non. Les taureaux, ils sont emmerdants, puisque ils te foncent dessus. Faut faire gaffe. Oh, petite... Ouais, ouais, j'arrive, j'arrive, la vieille. Attends, je prends aussi cette Pokéball-là. Voilà. Tant pis pour celui qui l'avait fait tomber. Oui. Et t'es qui toi? Mais t'es pas étudiante, arrêtons! Arrêtons cette horreur! Ce mensonge!
effroyable mensonge. T'as le taureau qui essaye de m'attaquer derrière là. Je vois pas qu'on est en plein combat. Hé hé. Bah ouais. Oh les, j'esquive le tauros qui me fonce et littéralement dessus. Je l'ai bien vu. Allez, on va à l'antre, mais je sais pas c'est une antre de quoi ça. Hop là, ville max. Bim. Ah, un niveau 1. Oh, bah alors ça, je le fais solo. Ah, mais glace! C'est pas un soleil, ça n'est qu'à de glace. Ah, mais tout est plus logique comme ça. Beaucoup plus logique. Ok. Allez, c'est parti. Tout tremblant. Allez, je le tue en une fois, c'est aglé, bim bam boum. Et voilà. Non, j'aurais pu lancer une simple Pokéball. Bref, pas grave. Bim. Et là, tout ça pour échouer. Non. Non. Ok. Plein de petits champis. Là, je suis riche. Hein. De toute façon, j'ai fait pas mal d'encre. Donc, si je revends ce que j'ai à revendre, ça le fait. C'est la première fois que je l'ai. Il se sert de ses barbillons comme d'un radar ultra sophistiqué. Ils lui permettent de détecter ses proies même dans l'eau boueuse. J'ai l'impression que c'est la première fois que je le fais. Bon, pas grave, si je l'ai fait. C'est pas la première fois, c'était la première fois. Bravo à moi, GG. Tout ça. Alors. La prochaine entre, c'est là. Et est-ce que je me téléporte? Non. Je me téléporte pas parce que je peux. Je peux tout simplement. Comment on appelle ça, longer la rivière, parce que j'ai peut-être raté des trucs, je me dis. C'est une possibilité qui est dans l'optique d'être possible. Moi, je peux prendre un raccourci, par contre, peut-être. Ah non, ce sera jamais assez haut. Wow, c'est bon, c'est passé. Bah pour Pokébug, vraiment c'est rare. Là, j'ai juste à profiter du chemin jusqu'à... Parce que ça tourne où ça? Ah, ça tourne là, qui est une zone que j'ai pas faite. D'où je viens? Non, que j'ai pas faite. Je viens de là, ok. Ah, mais il y a des ruines et tout ça. Peut-être que c'est intéressant. Je vais aller voir les ruines. Ouais, je vais... Je vais faire cette petite zone là. Qui me semble fort appétissante si je tombe pas sur des mimisanges là qui cassent les mimisanges. Cassent les Magneti. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants dans cette modeste ruine? Ok, des pics toxiques. Ouh, il y a un truc là-bas. Ah oui, mais c'est un truc... Ok, je vois. Ah bah, il y a un dresseur, par exemple. Bah déjà, c'est rentable d'être venu. On va affronter un pédo.
Efficace. Watch out. Allez. C'est quoi là-bas? Ah, c'est l'évolution du cochon. Ok. Non, non, c'est bon. Togamore. Je me demande bien ce que ça fait un Big Bang Attack. Oh bah ça le suit. C'est super efficace. Oh, oh. Magnéti là-bas? Ouais, Magnéti. Mais j'en ai déjà un Magnéti. Ah. Hop. On va foncer dans le tas, voir si on peut pas aller un peu plus vite. Pauvre console, je vais lui demander de charger le décor trop vite. Elle va plus savoir quoi faire, la pauvre. Ah mais je suis pas venu ici justement parce qu'il y avait le taureau de cristal. Si, si, si. Mais par contre, j'ai pas visité, donc et forcément, j'ai... Je vais oublier des choses. Par contre, hop. Ouh. Oh, j'ai eu chaud. Soyons modestes. Hop. Oh, allez. Oh, j'aurais pu la prendre sur le chemin. Oh, je vais monter en haut de cette dune. Ok. Je croyais qu'il y avait une histoire de... Bon, bref. Ok. Ça a l'air tellement désolé quand on regarde au loin, tellement c'est pas chargé. Il paraît que Nintendo a fait une... Il faudrait que je vérifie, a fait une déclaration comme quoi aucun patch n'était prévu, hein, qu'il travaillait plus... Globalement qu'il travaillait plus sur le jeu, quoi. C'est une honte. C'est carrément une honte. Vous avez acheté le jeu, voilà, vous l'avez acheté dans son état déplorable. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fric. La volonté de faire du travail bien fait, on s'en fout. La valeur travail, on se le faut au cul. Tout ce qu'on veut, c'est du fric. Ouais. Bim. Allez. Putain, il y a des gratte-ciel là-haut. Enfin, là-haut. Pas loin. Oh, des molos. Ok. Je vais changer de Pokémon. Ah bah non, pas besoin. Et voilà. Perdu. Elle a l'air cool cette ville là, où avec il y a des gratte-ciel. J'ai hâte de y aller un peu. Mince, je suis passé trop près. Complètement passé trop près. Paris chaud. Bah, évidemment, on est près de la ville, mais c'est pas par... Ok. Ah, c'est une grande ville hein, ici. Hein. Impressionnant. Impressionnant. Ah, l'an... il y a une entre là. Ah oui, l'entrefait que j'ai vu tout à l'heure. Mais... C'est pas l'objectif pour l'instant. Totalement pas. Elle, je l'ai combattue. Je ne la combatte. Et parce que je pourrais descendre comme ça.
Ah oui, parce que je peux descendre comme ça, ou alors... Ok, d'accord, je vois. Je vois, mais ça m'intéresse pas, en fait. Moi, ce que je veux, c'est globalement retourner en arrière. Wow, attends, quoi? Ah oui, si, on peut monter. On peut monter sans sauter là? Oui, on peut monter sans sauter là. Okay. Je m'inquiète pour rien. Hop. Voilà. Allez, je suis de retour là où je devais être. On va faire un petit tour. Ah, c'est quoi que j'ai heurté? Ah, comme d'hab. Mini-songe que je vois pas, que je heurte, blablabla. Bla, bla. La vie se répète. Quoi? Ah oui, des ralentissements. Je devrais m'y être habitué depuis le temps, hein, mais non. Allez, mon gars. Un jingle. Ah, mais non, faut pas que... Ah, mais... D'accord, ok, tu combats pas. Ok, désolé. Je voulais te piquer ton fric alors que tu es un non-combattant, ok. Attends, je vais aller par là. J'ai pas trop visité par là au final. Bon, il y avait rien. Ah, si, là. Bon, bah, je vais aller voir le... Le dresseur qui y a là. Oh, il y a une. Ah, mais la tour, ok, je l'ai déjà faite. J'ai réussi à le perdre. Bah, non, j'ai pas le droit d'y aller. Randonneur. Hippie plutôt. Saleté de hippie plutôt que randonneur. Tout est super efficace. Ok. Oh, une petite fille. Vite, racontez. Il faut la raqueter. On va te raqueter, petite fille! Viens que je te raquette! Ouais, si tu veux. Oh, Polarium. Morsure? Oh non, j'aurais pu faire Icosphère. Oh, ça change rien. Ça. On va pas se le cacher. Toujours surpris par mon personnage, en fait. Toujours surpris de son existence. Oh, cool. Y avait pas d'autres dresseurs? Non. Ah mince, oui, c'est vrai qu'il faut monter. Bon, pas grave, je tue lui et on y va. Ah bah, si tu veux pas aller travailler, je te comprends. Et des fois, on veut pas aller travailler. Des fois, même quand on aime son boulot, on veut pas aller travailler. Ah bah. Hey. Oh, il y a la plage là-bas. Oh, il y a un randonneur. Oh, vas-y.
Bon, allez, je me fais le randonneur sur la plage avant d'aller faire... Oh, j'en ai pas, je crois, de... Si, j'en ai du sable. Allez. J'ai cru que c'était un Pokémon sauvage qui passait par là, mais non, non, c'est son Pokémon allié. Allez, bim! Eh, eh. Ah, on peut changer? Allez, allez, pour une fois, on change. Allez, soyons fous. Serfrou, c'est quoi l'évolution? C'est l'évolution. Non, c'est pas l'évolution. Non. Je sais pas, avec la magique. Bah oui, de toute façon, la différence de niveau fait que blablabla. Bla bla. On a compris. On a compris, on a compris. Eh eh. Ouais, si tu dis. Oh, c'est galère de pas voir à 10 mètres et donc de pas voir si on peut y aller ou pas. Ouh. Racrétons les petits. Ah mais des dauphins, je crois que j'en ai toujours pas. Oh Gambex, c'est l'évolution du criquet là. Bon putain, il y a un Léviator qui se promène là. Ça fait un peu peur quand même, hein, les Léviators qui se promènent. Allez, bim. Il va envoyer quoi? Furéglon? C'est quoi? Ah! Oui! Ok, d'accord. Je vois. Je vois, je vois. Bim. Les Magikarp qui c'est qui s'excite là, ça me fait trop marrer. Ouais, mais je suis plus meilleur que toi. Grande perle qui brille. Ouh, attention. J'ai cru voir des dauphins tout à l'heure. C'est les dauphins que je voulais. Je crois que j'en ai toujours pas, mais bon, je serais condamné à croiser du Magikarp. Ok, pas de problème, on verra plus tard, on n'est pas pressé de toute façon. Rien ne presse. Je vais aller faire l'antre tranquillement. On a au moins un an. Bon, faut finir Pokémon avant que Diablo sorte. Celle-là, je l'ai déjà raquetté. J'aime bien la musique, hein. J'aime bien la bande son, hein. On va pas se le cacher. Non, non. Oui, on sait que tu existes en plusieurs coloris. Moi, un seul coloris me convient. Là, voilà, merde, je me suis fait mal tout seul. Oh, mais feu? Ah, la tétracristallisation, ça fait vraiment des trucs bizarres. Donc un tarsal feu. Pourquoi pas? La vie est bizarre, alors autant que la vie soit bizarre jusqu'au bout, hein. Ça c'est drôle de pouvoir lui apprendre déflagration, quoi. Ah.
Hop là. J'ai limite envie d'un tarsal feu au premier degré. Si je peux lui apprendre des attaques feu, j'ai limite envie. Est-ce que c'est vraiment utile par contre? Ah, je sais pas! La vie est faite de plein de mystères. Oh yeah! Voyons voir à quoi ça ressemble. Il a pas une attaque feu de base. Hardi de nature. Mais il n'y a pas de... Comment dire, niveau 12. Ah non. Il est neutre en fait. Il a pas de moins ou de plus. D'accord. Pourquoi pas? Et j'ai presque envie de... Attends, je vais l'inclure dans l'équipe. Garde-voix, évidemment. Et... Oh, il protégeait une CT. Et en fait, juste pour le fun, on va voir si on peut lui apprendre des... Est-ce qu'un Pokémon synchro feu peut apprendre des Pokémon feu, même si normalement il n'en apprend pas? J'ai combattu des mecs. Ouais, cool. Ok. Ok. Alors. Créer une CT. Une CT feu. D'accord. J'ai pas ce qu'il faut. Pareil, j'ai pas ce qu'il faut. Ah mais Zenith c'est pour faire briller, ok. Ouais. Il a pas l'air de vraiment pouvoir apprendre des attaques de feu. Je peux faire feu follé. Et encore feu follé n'est pas une vraie attaque feu pour moi, puisque c'est juste une attaque qui inflige brûlure. Donc. Il a la tétracristallisation feu, mais en fait, il peut pas vraiment utiliser des attaques feu. La déception est totale. La déception est totale. D'accord. Ouais, mais c'est pas ça que je vais faire en plus. C'est vraiment aller à la boîte PC. Dommage, j'aurais bien aimé qu'avec la tétacristallisation feu, et bah il puisse utiliser des attaques de feu, quoi. Tout simplement. Bon, je vais aller récupérer mon garde-voix alors, qui est plus. Je sais même pas où il est, en fait. Elle est là. Il y a une petite déception, je dois l'avouer. Oh, il est feu-feu. Il est feu-feu. Oh, mais il est que défense, ok. Il est feu-feu, il est feu-feu, il est feu-feu, il est feu-feu. Putain, quand je pense que lui, il faudrait le mettre en premier pour... Oh, dans la ville. Je vais les faire un jour, les pas. Par contre, ah déjà je veux faire l'antre, ça c'est obligatoire, et je voulais voir s'il y a des boutiques intéressantes dans cette ville. Ah il y a une boutique, ah il y a deux boutiques de vêtements, ouh peut-être qu'il y a des vrais trucs intéressants.
Ah bah c'est un magasin de chapeaux. Oh, bah, en tout cas, il y a plusieurs boutiques qui ont l'air intéressantes. D'accord, et plus encore. Alors ça se trouve, ils ont des trucs intéressants. Ah non, ils ont surtout du chapeau, des chapkas et des casquettes plates. C'est quoi? Oh là là. Vas-y. Ouais. Oh, attends. Vas-y, je peux courir un peu, il s'est... Voilà. Tac, c'est quoi ça? Ah, des chaussures. Mais ils ont que ça? Ils ont que ça. Ok. Ça, c'est quoi? Des chaussettes? Ils ont que des chaussettes ou ils ont d'autres trucs aussi? Ils ont que ça. Ouais, mais non. Ah ouais, c'est ça. Je vais aller faire l'antre. Il me suit pour l'instant. L'antre, elle est où? Elle est en bas? Ouais, elle est juste en bas. Hop. Tac. Ouh, Evoli 3, partir à plusieurs là. Ouvrir à tout le monde. Ah, je devrais peut-être changer de Pokémon par contre. Je me pose la question. On verra bien. Ouais, changer. Je vais peut-être prendre. Oh, de Nigro, c'est drôle. J'ai envie. Préparation terminée. Voilà, je pars avec Donigro. Ça m'amuse. Oh mince, comment c'est le raid? Désolé, désolé, désolé. Désolé les gens. J'ai pas réagi à temps. Il y a un temps pour tout. Yeah! Un évolué fait. Faut qu'il soit heureux pour qu'il évolue en Infernie là. Les chouilles efficaces, allez, vas-y. Ouh, ah ouais. Bon, ok, je crois que j'ai même pas attaqué. Hyper Ball. Et c'est parti. Et bien. Yeah. Pierre glace énorme. Même si honnêtement, c'est pas en ça que je veux le faire évoluer. Parce que attends, j'ai quoi comme mon équipe? C'est quoi mon équipe actuellement? Posons-nous la question. Qu'est-ce que mon équipe actuellement? Non mais oui, mais si je prends un Infaillie, déjà c'est un Noctali que je veux. Donc ouais, non, ça sert à rien. Je sais pas si je peux changer sa tétacrastillation. De toute façon, ça me sert à rien d'avoir un Noctali tant que j'ai pas un Evoli en tétacristal ténèbres, en fait. Ça sert à rien. Ah, je vais remonter entièrement avec lui pour que ça compte pour des pas, pour le faire évoluer. Mais je sais pas qui je vais changer quand je vais avoir Noctali. Qui est-ce que je vais retirer dans mon équipe? Ça, c'est la question un peu à Ligne Pognon. Ça me fait mal un peu au cœur quand même d'enlever Pomme. C'est un Pokémon qui est pas mal quand même. Et en même temps, Noctali va peut-être faire doublon avec Donigro et Spectrum. Donc déjà.
Je pense que je vais pas retirer le gros chien, c'est triste. Bah non, je vais retirer Miscarade en fait, hein. Non, mon chat, non. J'ai pas envie. En fait, j'ai envie de. Là, j'ai une équipe, j'ai envie de retirer personne. Parce que j'aime bien Pomote quand même. Il faudra bien enlever quelqu'un pour Noctali, hein, de toute façon. Hein. Donc. Miscarade, je l'aime bien, j'ai appris à l'aimer. C'est un chat, j'aime bien les chats. J'ai un chat, j'ai un chien. Gardevoix aussi. Spectrum. Je crois que c'est Pomote qui va partir. Hein. C'est celui. C'est celui, voilà, la souris électrique là, même s'il est sympathique, c'est tellement énervant à faire évoluer là, à devoir marcher, que même si j'allais. Oh, gros tas de morve, j'en ai pas. Enfin, c'est juste tas de morve là, mais. Vas-y. Cage éclair, hop. Voilà. Et fait. Oh, mais il va attaquer quand même. Ouais, il va attaquer quand même. J'aurais été déçu s'il attaquait pas. Hop, bim. Allez, du premier coup. Vous me donnez du premier coup. Non! C'est triste. Faudrait que l'électricité soit utilisable, enfin, ait un effet au moins une fois, ça se trouve, pour que ça compte. Non, toujours pas! Oh. Et il est plus paralysé? D'accord, il est mis sous entrave. Ok. Vraiment, tu veux pas être capturé? Ah, je me disais aussi. Quand même. On voit, hein, quand même. Torrent de boue devenu Pokémon, il vit dans les lieux les plus insalubres pour que le nombre de microbes qu'il héberge augmente. Ah, oh, mais je l'avais déjà capturé en fait! Ça me parle. Eh ben dis donc, ouais, c'est pas. On continue notre exploration de la ville. Il a disparu lui. En allant par là, j'avais fait tout le long ou pas? Attends, on va aller visiter par là. Il y a là. Ah, mais ça a l'air d'être l'arène. Donc on va esquiver un peu pour l'instant l'arène. C'est quoi ça? C'est un restaurant. Il y a une fourchette. Restaurant de sushi. Ah, c'est quoi ici? Ah ben, je peux pas rentrer. Ok, d'accord. Comme ça, réglé. Restaurant. Il y a quoi là-bas? Ok. Restaurant et tout ça. Café. Ok, des petits trucs à manger, un truc de restaurant. Putain, qu'est-ce qu'il y a dans comme restaurant dans ce monde? C'est quoi ça? Ouais, ok, encore de quoi bouffer. La banque, parce qu'au bout d'un moment, faut bien de la banque. Restaurant. Ah! Attends, ça, c'est pas un magasin de fringues? Ouais. Putain, toujours pas de quoi. Avoir comment dire? Oh, gants en cuir blanc et noir, noir et blanc, ok, rouge et blanc. Ah, peut-être rouge et noir, jaune, vert et blanc, bleu et blanc, le marine et blanc. Oh, purée, ça coûte la peau du cul. Bon, pas cuir rose, gris et blanc. Blanc et noir? Oh non. Noir et noir. Ah, peut-être noir et noir. Rouge et noir. Ah, rouge et noir. Attention, là on parle, ok. Rouge et noir.
Et bah rouge et noir, je l'aime bien en fait. Celui-là vraiment rouge et noir, je l'aime bien. Ouais, ouais. Oui, bien sûr, je veux les porter. Moi, je voudrais changer de tenue, avoir un pantalon, mais visiblement, on peut pas. Tu vois, ils ressemblent à quoi? Oh, ils sont un peu cool. D'accord. Marron, caramel. Ah, mais c'est pareil, ils sont. On peut les avoir aussi en double coloris, ok. Bleu, ok. Ah, mais il n'y a pas de. Mince. Et bah, noir et blanc. Attends. Noir et. Oh non, non, non. Blanc et noir. Blanc et noir. Oui, oui, oui. Je prends ça. Ouais. Non, j'ai fait. Oui. Oui. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait. Le porter maintenant, alors que je veux le porter maintenant. Sac. Donc, comment on fait pour s'habiller? Une grande perle, ok. Oh, j'ai pas tant de choses que ça. Bref, pas grave. Je me pensais riche, mais pas tant que ça. Putain, pourquoi? D'accord, ok, mais je m'en fous. Attends, faut juste que je trouve un endroit. C'est que pendant le pique-nique qu'on peut changer. C'est fou ça, où on peut changer nos affaires là? Ah, attends, à coup sûr ici. X. Non. Carte, Pokédex, profil. Vraiment, il y a rien quoi. Alors, où est-ce qu'on peut voir les affaires qu'on a? Merde. Attends, je vais sortir et je vais faire un pique-nique. J'ai jamais fait de pique-nique, donc ce sera l'occasion. Quitte à. Ah voilà. Non, ce jeu est pas clair. Oh, attends. Oh, c'est une bonne zone à pique-nique ça là. Ok. Ok. ZR. D'accord, il y a une baballe. Non, j'ai lancé la baballe n'importe comment. Toi l'été? Non. Il y avait un truc toiletté X. D'accord. Maintenir A. Ah, ça veut toilette. D'accord, ça le lave. Je lave un ectoplasma. N'importe quoi. Ok, d'accord. Un spectrum en plus, c'est. Il s'amuse avec la balle, ok. Bon, c'est pas. Moi, je peux pas me changer par contre. Mettre fin au pique-nique parce que c'est pas du tout ça que je veux faire. Ok, ça m'a saoulé. Comment on se change? Où sont nos affaires en fait? Qu'on a acheté, tout simplement. Chez nous. C'est ça? Faut se téléporter chez nous? C'est où chez nous? Je sais même pas où c'est chez nous en fait. Là, il y a la ville.
C'est là chez nous? Merde. Pas du tout, hein. C'est peut-être là. Non, non, c'est Severo là. Forza Morinda. Non. Attends, elle est où la capitale? Elle est là. Donc chez nous, c'est forcément là. Ma maison. Oui. Oh là là là, il y a des trucs compliqués dans ce jeu pour pas grand chose. Pour absolument que dalle. J'espère que c'est bien ça. Je sais pas, ici là. Eh ben non. Ben, où est-ce que sont nos affaires qu'on a achetées? Poképortail? Paramètres? Ben non. Poképortail? Ok, pique-nique. Ah non, 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 oui. Attends, je vais sortir. Ok. Il y a personnalisé stade de combat. Club Union. Bah non. Non, c'est vraiment que les trucs comme ça. Boîte PC? Ah non, ça, c'est ridicule. Ouais, c'est les objets et ça, c'est l'équipe de combat. Rien à voir. Ça devrait être dans le sac. Ça c'est les CT que j'ai et c'était là, il y en a énormément. Ok, ah, c'est différents trucs pour faire des pique-niques. Ah, changer de look. Ah, voilà, bordel, elles sont là. Ah, mais c'est ici, j'en ai d'autres. Ah, putain, c'était simplement ça que j'avais complètement oublié. Oh là là là. Et c'est quoi l'uniforme d'été? Ok. Automne, ok. Ah putain, enfin un pantalon. Ah, oh oui. Ah, ça fait tellement du bien. Ah, j'en avais marre de ce short. Et en fait, il suffitait de faire ça. Je suis trop con. J'avais jamais vu. J'avais jamais vu. Tant pis pour moi. J'aurais pu le faire dès le départ. Et donc là, il y a un truc. Par exemple, si je veux pas de casquette, en fait. Mince. Je peux faire retirer. Et voilà, j'ai plus de casquette. Oh, quoique là, avec la casquette de sport que j'ai, ça passe. Oh, et encore, non, ça fait ridicule. Voilà, purée. Oui. Et ben voilà. Putain, ça fait du bien d'avoir l'air normal. Ah mais je m'en rappelais plus que c'était là, c'était marqué, je l'avais pas vu et j'aurais pu le faire depuis bien longtemps. C'est la haine. Ah purée, il y en a plein avec des tétacristallisations là, qui pourraient être intéressantes. Non mais, allez, on va pas faire que ça quand même, parce qu'il y a une petite envie d'avancer quand même, d'avancer, de pas passer son temps non plus sur des cristallisations.
Il y a une ténèbre. Ah, j'aurais dû regarder s'il y a une ténèbre brillante parce que ça voudrait dire peut-être qu'il y a un Evoli ténèbre. Ah, je vais juste regarder ça parce que c'est. Voilà, il y avait quoi? Il y avait acier, il y avait glace, il y avait sol. Parce que ça, c'est quoi? C'est. Ça, c'est. Non, ça, c'est pas ténèbres. Ça, c'est fantôme, c'est ghost. Ok. Ouais, il n'y en a pas de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres qui brillent. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était juste histoire de. Mais il y a un mec là. Ah non, c'est un dresseur de. Ouais, c'est plus un objectif de Stardust. Ok. Faudra aller là aussi. Il n'y a rien là. Ah, par contre, il y a. Ouh, ça c'est intéressant. Alors, je voulais que lui il soit un peu là pour faire les pas et réussir à ce que. À faire les 1000 pas qu'il faut faire. Alors qu'il n'y a aucune indication de à combien on est. Et ça m'énerve fortement. J'aimerais bien savoir à combien j'en suis de ces pas. On va visiter la ville hein, avant de tout simplement. Ah, ok, c'est si je veux des tables et tout, des nappes et tout ça. Oh, mais il y a aussi ça, ok. Ah, mais rentre pas dans ta Pokéball, faut qu'on fasse 1000 pas là, c'est déjà suffisamment énervant. Suffisamment long de faire 1000 pas avec toi là. T'imagines, là j'en ai fait qu'une dizaine ou une vingtaine. 1000, purée. À quel moment ils se sont dit faire 1000 pas pour faire évoluer un Pokémon, c'est une bonne idée? 100, 200, je peux comprendre à la rigueur, mais 1000. Oh là là. Ce qui rend l'optimisation de ce Pokémon, voilà. Bon, après, une fois que tu as réussi à l'avoir parfait, de toute façon, tu fais. Si tu le veux vraiment, voilà quoi. On peut rentrer dans ces immenses buildings? Non, évidemment que non. Ok. Il n'y a qu'une seule sortie ou il y a plusieurs sorties? Et là, d'avoir qu'une seule sortie, ce qui sert à rien d'aller par là. Attends. Ce qui fait que je vais un peu accélérer, je dois t'avouer, pour voir s'il y a des trucs intéressants vraiment près des buildings. Ah, des Pokéballs et tout ça, quoi. Ok. Ok. Bon, on va voir ce qu'on récupère. Ah, il y a un motif. Il est sauvage ou il est au mec? Il est au mec, ok. Il a l'air de rien avoir, mais encore une fois, comme la zone d'apparition est ultra basse, impossible de savoir ce qu'il en est réellement. Je veux juste récupérer vite fait. Merde, purée, tu t'es déjà enfui? Pourquoi tu t'es déjà remis dans ta Pokéball? Oh bah t'as trouvé un truc. Ah bah oui, la Pokéball qu'on voyait quoi. Allez. Putain, en plus faut marcher lentement pour éviter qu'il rentre dans sa Pokéball. Oh là là. Enfer. J'ai carrément été déconnecté du chat. Oh là là, c'est catastrophique. Ah, mais attends, il y en a une autre là-bas. Allez chercher ça. Bah vas-y, je croyais que c'était ton boulot de récupérer. Voilà. Ah, PP+, hein, qui est toujours utile si tu veux une technique à plus de PP. Ah, bah tu es quand même rentré. Oh, tu casses, c'est cool. Je te rappelle qu'il faut qu'on fasse 1000 pas.
et que là on est à peine à une centaine et que ça me casse déjà les couilles. Oh putain, c'est long. Ah ouais, mais c'est sûr, c'est toi que je vais... C'est toi que je remplace par Noctali. Hein. Je te fais juste vraiment, parce que pour dire, je l'ai fait au moins une fois, mais après, tu te dégages de ma vie. C'est dommage, c'est la nuit, hein. Je pourrais faire évoluer un Evoli, mais... Est que j'ai pas le bon Evoli pour l'instant. Par là c'est l'arène. Ouais, c'est l'arène, donc on ira plus tard. J'aimerais juste avoir un indicateur pour savoir si je suis proche ou loin des mille pas, parce que là c'est l'enfer. C'est mignon toutes ces pubs. C'est fou les pubs quand c'est pas quand elles sont pas réelles, elles sont plus intéressantes. Bon, bah visiblement Free a décidé que me donner du débit était surfait. C'est bien mon gars. Ah mais c'est un magasin là. On va voir ce qu'il y a. Ouais. Non, ils ont pas ce que je veux, qui est des tenues. Quoique maintenant celle-là elle est un peu plus correcte là avec un vrai pantalon. Je rêve d'accélérer. De pouvoir courir et qu'il court à côté de moi. Mais non, je peux faire juste des petites accélérations. Je sais même pas si là si j'avance pas vite et pourtant je pense que. Il arrive pas à suivre. Ah si, ça va. Ça va. C'est quoi, c'est des tentes, ça? Ah non, c'est les coupes de cheveux. Est-ce qu'il y a des coupes de cheveux qu'il n'y a pas dans la zone de départ? Enfin, dans la construction de départ. Exclusif, donc, à... Qui serait exclusif à ce moment-là, quoi. À la ville, par exemple. Alors, il y en a des nouvelles ou pas? Okay. On peut pas prévoir. Ah, mais il faut faire ça et... Ok, d'accord. Bon, après... Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait... Faut pas lui mettre trop de cheveux, sinon ça va créer des bugs. Raser sur le côté. Ah, Berk. Non, il y en a pas. Oh, ouais, non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de coupe de cheveux qui sont. Il n'y a que les coupes de cheveux de base, ok. Tristesse, mais bon, c'est la vie. Après la carte, c'est pas ici. Et bah, je te souhaite de trouver ce que tu cherches ou une Pokéball.
Yeah. On va aller voir la badgeuse pour voir ce qu'elle peut nous faire.